Bonjour tout le monde, le jeu vient de me graisser les oreilles et c'est parti pour la suite de Nier Automata, l'épisode de type épisode 3. Et je vais baisser très fort le son de mes oreilles, je vais baisser même peut-être un peu là. On part quand même sur un son très agressif, l'affichage est encore un peu chelou mais bon. Regarde. Allez, le camp. Et aussi, j'ai trouvé les petits engrenages. J'ai trouvé. Ça m'a pris des heures de farm. Je sais. Putain. Ils te disent faut aller taper des monstres dans cette zone. Tu les tues tous et il n'y en a pas. En fait, fallait quitter, aller dans le désert et revenir. Et s'il n'y avait pas, tu quittes, tu reviens. Tu quittes, tu reviens. Et au bout de 3-4 fois comme ça, j'ai réussi à en trouver. Donc, c'est sympa, j'adore la vie, putain. Donc, c'est parti pour la suite. Hein. Hop là. Ah ouais, la technologie, putain. Bonjour. Ah non, il va me proposer de changer de stratégie. Alors. Ah oui. Le magasin. Attends, on peut ouvrir ça? Bon bah, on lui a volé des trucs. Attends. Alors, j'ai eu des trucs comme ça. Mais j'ai pas compris. Mais... Je possède cela. Onde sonore, Nani. J'en ai pas, je veux. Alors. 5000. Ouh, mal au cul. Jauge d'XP. Oui. Attends, attends, c'est scandaleux. Je suis en train d'acheter les fonctionnalités qu'il devrait avoir de base en fait. Genre, le jeu il dit tu payes, au moins tu peux. Bah, tu peux jouer. On va afficher les coins de pêche. Attends, merde, putain, il y a la souris là. Quel scandale. Donc c'est scandaleux en fait. Pour attaquer, acheter. Non. Plus 5 au PV. Bah non, t'as. Des phéromones. Oh. Attends, c'est dégueulasse. Pour libère des phéromones pour attirer les autres robots. Ah mais c'est des attaques. Ah pff, mais ce truc que... Genre c'est des trucs de 15 secondes et tout. C'est de la grosse merde. Pas, moi je veux des trucs concrets, genre tu vas dans les armes, tu fais, bon pas besoin, tu fais une compo, je sais pas, tu mets un truc, putain. Alors oui, personnalisé. Alors le système, la jauge d'XP. Hop là. Onde sonore, putain, voilà, mal au cul. C'est quoi le fake big nez? Ah non, c'est pas dans, c'est dans... Défense. Faux, c'est pas ça. Alors. 11. Le jeu il veut m'enculer là. Défense, oh, ça se prend. Non, 10. C'est quoi la différence entre 5 et 10? Ah, c'est qu'il y en a qui rentre et l'autre il rentre pas. Ah, ok. Et je me dis qu'à la fin on aura des trucs qui prendront beaucoup de moins de place. Ah. Bah. Mais du coup c'est pas utile hein. Attends, mais j'avais eu quoi en plus? Plus installé. Non, ça c'est que... Ah bah voilà. Objet auto. Super. Ah. Ah putain, le pire c'est que je pensais que c'était un truc pour drop des objets. Trop con. Alors, bonjour madame. Oh, merde, non, pas les saltos. Un petit service. On me signale de plus en plus souvent que mes machines dangereuses rôdent dans les déserts. Que des machines. C'est tout à fait inhabituel et j'en conclus qu'il se prépare peut-être quelque chose. Or, il paraît que le groupe Yora est particulièrement efficace pour ce genre d'émission. Alors, vous pourriez aller jeter un coup d'œil sur place, histoire d'en avoir le cœur net. C'est tout ce que je peux faire, donc c'est la quête principale en fait. Je vais informer nos alliés dans les airs de votre vie. Et faites bien attention à vous, ok? Bon, on y va. Alors, tu dis que c'est inhabituel, j'y suis allé 12 fois dans le désert, il y avait toujours autant de monstres. Ça se prend ça. Ok, je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais pas vraiment à quoi c'est ça. Ah oui, et aussi, personne me l'a dit hein, dans les commentaires, j'aurais bien voulu, mais non. ポッド04に、オペレーターへ。レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを確認。オペレーターより、ポッド04に、座標データ確認。目標地点に、マーカーをポイント。砂漠は気温が高く、日差しも強いですから、補給が難しくなります。ちゃんと準備してから行ってくださいね、2B さん。 Ok, bon, faut aller dans le désert. Hein. Ouais, en fait, pour courir, il faut dash avant.
pour moi. Voilà. Et plus on avance, plus on va courir vite. Alors, non, enlève ça. Le message, comment on a ça? Ah! Il faut aller au point de sauvegarde. Putain. Bon, je les dépop, hein, ceux-là. Alors, non, je voulais pas activer le laser, calme-toi. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, voilà, juste avec le tir comme ça, voilà, c'est des pop. Même sans viser automatiquement. Mais surtout, regardez, on prend l'arme. Mais... voilà. Bon, il donne que dalle d'XP, mais ça se prend quand même. Voilà, tout va bien. Là aussi, on peut les finir. Hop là. Des petits finishings, bon, il y en a des plus stylés que ça, mais bon. La musique est forte, je vais baisser mon son. Normalement, avec vous, puisque mon son est assez fort, vous devrez m'entendre bien, mais bon. Ce qui est chiant, c'est que vous pouvez m'entendre. On me dit souvent en vocal qu'on entend moi qui respire dans le micro. Bon, X raison. Mais parce que je respire fort, l'asthme peut-être ça joue, je sais pas. Voilà. Comme on peut. Hop là. Donc faut aller au désert. Ouais, c'est vers là-bas. En plus, c'est joli. Franchement, c'est bien fait. En plus, il y a une petite musique des instruments orientaux là. Quel plaisir. Par contre, un truc qui casse un peu, bon. Des fois, il n'y a aucune musique. Donc, attends, ça, pourquoi il y en a en haut à gauche là? Bref. Il y a de la musique, tu vois, genre. Voilà, genre. Ça casse pas l'immersion, tu vois. Genre, justement, c'est le but qu'il n'y ait pas de musique. Et quand il y a la musique, je sais pas, les gars. On est. Vous, genre, je sais pas, vous peut-être faire des musiques sans paroles. Ça rendrait mieux, je pense. Ah, tu esquives. Ça va, lui on les goûte. Voilà. J'ai appris à jouer au jeu, ça devrait mieux se passer. Tout va bien. On va même aider l'autre là. C'est bon. Et voilà. Et là, je peux pas le finir, super, quel plaisir. Donc on va tâcher d'y aller. Circuit cassé, voilà. Ça aussi les gens en général galéraient. Graine d'arbre, super, on va, je sais pas, soit on va pouvoir le vendre, soit on va pouvoir planter des arbres. Hop, bienvenue à Animal Crossing, on est là. Animal Crossing, là où je me suis fait un petit skin de NES. Ah, ça va, j'ai cru que j'allais crever. Enfin, je pense pas que je peux crever de chute, enfin pas de, genre là, il y a quand même pas une falaise devant moi, tu vois. Mais je pense que j'aurais pris quand même cher. Ah oui, c'est vrai, il y a des corps de joueurs. J'avais oublié ça. Ah non, bah, là c'était pas le cas. Des fois, ouais, y a des corps de joueurs là. Ok, voici l'entrée du désert. Bon, ceux-là, hein, voilà. Là, c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait un petit viseur quand même pour les potes. Là. Voilà, aussi, je peux charger comme ça. Là. Plutôt pas mal, effectivement. On part sur des dégâts conséquents. Allez, go! Cours! Mais ouais, je trouve. Ouais, je suis content avec mon petit skin de NES Animal Crossing. Là. Bah, le fait qu'on puisse tout personnaliser maintenant, ça en pratique. Sauf les chaussettes, enfin, j'ai pas remarqué. Parce que j'aimerais me faire des chaussettes blanches bah, pour faire comme celle de NES. Mais j'en ai pas, j'ai que les chaussettes rayées du début. Donc, attends, hop là. Non, bah, tu montes pas dessus quand même. Attends, du coup, là, je peux lire le message. Équipement perdu! Je voulais dire qu'avant la sortie de l'équipement abandonné lors de la visite dans les ensembles les couilles. On s'en fout, t'es pas utile. Et du coup, ouais, c'est sympa. En plus, je commence là, je vais bientôt avoir la mairie, on est pas mal. Faudrait juste qu'il y ait plus de mises à jour parce qu'apparemment le. Ah oh, il y en a deux. Ils sont morts ensemble. Ah là, que c'est beau. Ils sont morts tous les deux, en plein amour. Oh là là, c'est magnifique. Non, je m'en fous, tu récupères la moula et tu te casses. Et voilà, je récupère des trucs là, des trucs. Les distances esquive niveau 2 là. Pourquoi j'avais pas ça tout à l'heure? Ah, il y a un petit carré qui est pas plein, il est vide, moi je sais pas. Je sais pas vraiment comment ça marche, je m'en bats les couilles. Ah, quel plaisir. Okay. Je vais pas lire puisqu'il a sa voix donc il n'y a pas besoin. Oh.
C'est beau. Allez, maintenant musique sans parole. Il y a jamais de grosse musique, il y a que soit des petites musiques légères, soit il y a une meuf qui chante. Et dans les deux cas, je trouve ça pas ouf. Genre j'aime bien les musiques, je sais pas, comme dans une caverne géante. Comme dans Pokémon là où on a des musiques vraiment qu'on entend avec une vraie mélodie qu'on entend beaucoup. Genre là, il y a que des petits, il y a une petite mélodie en fond, mais genre c'est pas ouf, tu vois. On veut des grosses OST, nous. Sans une meuf qui chante. Sans un mec qui chante non plus. Personne. Ah, super. On voit que dalle aussi. Oui, c'est vrai, puisqu'on est de haut, je préfère comme ça. Mais du coup, on peut juste les tenir à distance. Hein. Ah non, on peut pas. Ok. Qu'est-ce qu'il veut ? Waouh, je me suis téléporté, j'adore tout ce qui est téléportation. Je prends le... Attends, t'attends le robot, hein. Je prends l'objet. Yes, du fer, je vais... Rien en faire, j'imagine, pour l'instant. Hop là, allez, dépop. Mais dash, putain. Ah, du coup, yes, il y a la barre d'XP, ça a bien marché, tout va bien. C'est quand même scandaleux, tu dois acheter in-game des trucs pour avoir ta barre d'XP, putain. Donc t'es encore plus scandaleux que... Genre, pour voir ta barre de vie... Le pire, c'est que tu peux l'enlever, les trucs système, genre barre de vie et tout. C'est vraiment... Ah ok, je l'ai esquivé de peu, donc ça fait un truc spécial. Ah ouais, c'est pas mal. Ok, toujours esquiver de peu. Ce qui est dangereux en plus, je ne veux pas faire ça en fait dans la vraie vie. Ok, super, quel plaisir. Alors, ok, ça va, auto-soin, ça marche bien. Parce que par exemple, le coronavirus, faut pas l'esquiver de peu, faut dès le début, faut se bouger. Ben non, c'est compliqué. Oula, il y a eu un petit glitch. Et donc voilà, alors, l'objet. Manuel tech. J'en ai eu des dizaines, je sais pas comment ça marche. Alors, enfin j'en ai pas eu des dizaines, mais j'en ai eu quelques-uns et bon, je sais pas vraiment du tout, du coup, comment ça marche. Ah, aussi, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai fait des games d'Isaac, mais... Mais le jeu, pendant toute la game, il m'a fait croire, genre je tapais du 15 et tout, c'était insane. Et à la fin, il m'a dit non. Genre dès que je prenais un dégât, je me TP dans une autre salle et tout, genre c'était un bordel et du coup je pouvais rien faire. Attends, je sais. Non, tu te calmes, putain. Uff, ah ok, ben non. Quel plaisir. Bon, ceux-là, voilà quoi. Voilà, on part sur des ennemis... nul. Même si j'avais 3 niveaux de moins, je pourrais quand même les battre. Alors, livre abîmé, super, quel plaisir. Et du coup, ouais, je sais pas si j'ai dit, parce que j'étais tout à l'heure, j'ai fait des games et tout, c'était catastrophique, donc j'ai pas record sur YouTube. Mais, ouais, du coup, je sais pas si j'ai dit, mais vous voyez la caméra, puisque là, il y a pas d'overlay, tu vois. Allez, hop là. Et du coup j'ai pas de caméra parce que j'ai un nouveau overlay que j'ai fait moi-même. Et il sert à rien, ça a pas de câble puisque genre ce serait juste un trou avec un rectangle au milieu, tu vois. Ça servira à rien, tu vois. Mais bon, du coup j'attends. Ça devait arriver demain. Demain c'est le 30. Mais retard à cause du virus. La chute économique, tout ça, on est là. Donc bah. Pourquoi tu tires là? Y'a quoi? Putain, mais frérot, cette tour, frérot, c'est pire que notre coco d'Alola. En plus, c'est pas fort alors que notre coco d'Alola il était, putain. Mais du coup, bon, bah j'attendrai, hein. Et voilà, c'est comme ça. Putain, non, mais là, lui il est vraiment. Putain, ils sont même pas forts, quoi. J'en sais même pas. Ah merde, faut aller là-bas. Putain, j'ai pas avancé, je suis trop con. J'ai pas fait gaffe. Faut que j'arrête de dash tout le temps. Hein. Au bout d'un moment, elle commence à courir très vite. Voilà. Là, elle commence à...
Après c'est un robot, hein, niveau endurance ça va. Bah au moins pour une fois l'endurance démesurée est expliquée. Parce que dans FF15, hein, même s'il y a une barre d'endurance, désolé, mais tu cours pas à cette vitesse pendant un si long laps de temps. Oh, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est... Ah ouais, je l'ai déjà, quel plaisir. Oh, on s'en fout, c'est bon, c'est bon. Allez, dash maintenant. Alors, oh, le tube. On peut pas rentrer dedans, je suis très déçu. Ah, bonjour. Ah, voilà, arrête de... Arrête, c'est psycho, rapidement quoi. Ah. Arrête de passer les textes. Je touche pas à la manette. C'est que je vais avoir qu'on ouvre cette entrée. Mais... Pourquoi est-ce qu'on est dans cette bizarre place? Ah, c'est... Ah. Inutile de jouer les héros, tu vas voir. Tu vas voir c'est qui va jouer les héros. Et là, je suis sûr que je vais rentrer et me faire péter la gueule, mais bon, c'est pas grave. Allez. Bah non, ils font ça dans tous les jeux. Attends, on peut monter là, ok, non. Bah je sais pas, mon... Ah, classique, classique. Putain, il y a un truc de sable en mode quel ennemi va être derrière ça. Et c'est un petit robot. Voilà. Ok, les gros robots ils sont imposants, mais putain, les Reyes, vous auriez pu travailler sur les petits quand même. Ah, ils ont des masques. C'est des robots pimpés, attention. Ah, il y a un truc qui m'intéresse là. Une clé cassée, ça ne m'intéresse pas tant que ça finalement. Les cours maintenant. Oula, oula, ça sent des ennemis qu'il faudra tuer là. Oh oui, putain, la taille du désert. Ah, oh. Ah oui, tout à l'heure on n'était pas dans un vrai désert. Moi j'aime bien les déserts égyptiens, manquerait plus des petites pyramides en guise de donjon et ce serait parfait. Zone désertique. Mais c'est joli les cinématiques. Laisse. Ouais. Allez, il va y avoir une meuf qui va commencer à chanter là. Oh, on slide, on slide mon gars. Yeah. Non, sérieux, sur... Ah non, c'est pas sur toute la zone. Mr. Light. Ah ouais, lui, Okamari no Suzuki, lui. Ok, merci. Alors, ah, il y a une zone là. Petite zone rouge, ok, c'est des zones. J'imagine qu'il y aura des ennemis dedans. Attention, ennemi en approche. Et voilà, mais je le savais. Bon bah. En tout cas, c'est très joli. Hein. Le temps que c'est pas une cinématique en 30 fps, le jeu est bien. Ah. Alors déjà, tu t'arrêtes de parler japonais, alien de merde. Hop là. Ok, ça va. Et là. Hop là. La moulaga. Ah, il y a un gros truc là. Oh, 1000 gold. Ah oui, c'est sympa ça. Attention à la glissade. On est en plein dans la 64. Oh, 3 spectateurs. Bonjour. Hello everyone. Bonjour tout le monde. Tu es. Pourquoi tu parles en japonais? Tu te calmes. Oh. Ah, plaisir. Putain, mais eux, j'en fais quoi? Je leur tire dessus. Je peux pas aller. Non. Oh, je peux. Non, la visite automatique, on veut pas ça. Mais... Alors, je peux pas leur sauter dessus avec l'épée. Comme dans. Comme dans FF15, du coup. Parce que c'est. Je sais pas, non. Ok. Bon, super. Hein. Ouais, niveau 8. Ok, c'est bon. Allez. Oula, arrête de slide. Okay. Vitesse déplacement. Oh. Ah oui. Ça, je dis oui, j'adore. Ah, alors, lacération, non, ça c'est dangereux ça. Compo, bah non, c'est. Non, c'est quoi? C'est. Si, c'est ça. Ah non, c'est puce fonctionnalité. Alors. Puce installée, non. C'est du système, j'imagine. Absolument pas. C'est quoi? C'est de l'attaque? Mais oh. Défense. Peut-être du bonus alors? Ouais, vitesse déplacement, je le mets à la place de. Voilà. Maintenant, tu optimises. Ok. Et j'ai rien que je peux mettre 6. Non, faudrait un truc de 1 là en fait.
Il n'y a rien d'aussi petit. Et que les programmes qui sont... Ok. Allez. Et du coup là je cours plus vite. Pas vraiment. Ok, les gens morts, super. Hop là. Qu'est-ce qu'ils font là? J'ai eu peur, tout va bien. Ok, je peux pas. Putain, mais vraiment. Attends, ça change quoi que ce soit cette vitesse de déplacement? Je sais pas. Allez, cours plus vite, cours plus vite, cours plus vite. Hop là. Non mais ça me paraît ridicule, je l'ai bien mis au moins. Alors, personnalisé et équipé. Ouais. 2%. Putain, non mais les Rey, vous êtes l'exemple type du RPG japonais vraiment. Genre c'est le truc qui t'a coûté 2000 balles, et là tu le mets plus 2,12% de déplacement en plus, genre c'est... Oh. C'est bon, le truc il prend 10 places, tu peux me donner plus que ça. Non mais je préfère mettre la lacération, ça fait chier. Allez, on court. Ok, là il y a une petite zone de combat là. Alors, allez, ok, ok. Il est tout seul vraiment. Putain, j'ai commencé à slider sur tous les côtés là, c'était. Il fait rien du tout. Hein. Il est où? Ah. Non, on s'en fout, arrête. Non, mais... Pourquoi il est parti? Reviens. Ah ok, du coup tous les autres se sont barrés, faut vraiment aller là-bas. Ok, bon bah super. Allez, grouille-toi, grouille-toi. Le salto, allez. Hop là, nous on a fait... On a eu 18 en gym en 5ème. Hein. Waouh. Putain, ça tient si bien que ça les balançoires. Putain, mon gars, ça fait quand même 5000 ans. Hein. Enfin, non, on est en 5000, donc ça fait quand même 3000 ans. Et putain, mon gars. Allez, grouille-toi. Je veux juste. Non. Ah, mais. Ah, qu'est-ce que c'est? Maintenant, tu te tais! Et tu laisses me compositionner tranquillement. Allez, personnalisé. Attaque. Voilà. Objet auto. Ah bah il y en a un tout petit. C'est trop bien. Voilà, hop là. Allez. Non pas. Quoi? Non, c'est bon. Allez, go. Voilà, voilà, voilà. Okay. Ah les humains, et c'est nous ça. Oh putain, c'est slide qu'on fait. Non, par contre, ça me paraît bizarre quand même. Des centaines de milliers d'humains sur la Lune. Ça rentre pas. Hein. La Lune, ça reste un gros as, mais bon, t'en fais le tour. Ah putain, ça... la carte, ils se sont dit, eh les gars, on fait une carte en 3D. Bah non, vous voyez bien que ça marche pas. Ah oui, ah non, c'est vrai, les messages, faut aller au point d'accès à la con. Là. Allez, slide. Ouais, allez, ça a duré 4 secondes. C'est même pas rentable. Okay, dès qu'on est dans une ville, t'as une meuf qui chante. T'as bientôt, on va arriver dans une grande ville, dans une zone urbaine. Et là, elle va commencer. I'm a jump up in the air. Et ça va commencer à chanter du Mario Odyssey, on va loucher. Putain, mais défonce-le. Ouais, c'était bien rapide. Hein. Allez, maintenant, défonce-le. Alors, sauvegarde rapide, hop, on sait jamais, messagerie, quête, putain. Même Animal Crossing sont plus intéressants les colis parce que des fois il y a des cadeaux dedans, enfin les messages plutôt. Ok, du coup là on doit aller dans la zone, je dois monter l'immeuble. Bah non en fait. Non. Alors, putain, il y avait que des HLM, hein. Il y avait aucun immeuble bien pimp. Calme-toi petit robot. Repose en... Bah non, du coup t'es un robot. Tu te reposes pas. Calme, ok. Oh. Ah. Nigoro. Nigoro. Cours. Cours plus vite.
Ah bah il est juste là. Ah non c'est pas lui. Je crois. Ah non non non, l'autre connard il est en train de courir. On va te choper. Slide. Slide. T'es pas utile Toby. En plus je fais trop la meuf là en mode pas de sentiments pendant les trucs pendant les missions Arrêtez de m'appeler monsieur et tout, genre c'est oh. Ah, quel plaisir. Attends, what, j'ai fait des ondes de choc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, littéralement, j'ai fait des ondes de choc, donc bon, bah normal. Ah, c'est ça l'accélération. C'est sûrement ça, ouais. Ah. Oh, oh, oh. Ah. Le calme, Timothée. Là, il commence à avoir une crise... Une crise d'asthme, il a commencé à faire Ita, Ita, il a failli crever. Alors, Keiko AG gagné. Ah, vitesse déplacement, mais. Ah ouais, bah c'est littéralement c'est les mêmes puces, mais en compressé. Bon, bah. Oula. Ah bah, lui il est mort. C'est un échec. Du coup, ça veut dire qu'il est mort contre ce boss. Ah ouais, bombe de choc, ouais, bon, elle tape pas bien fort. Hein. J'aurais pu la terminer, bon, c'est pas grave. Putain, mais l'XP, genre, il s'ajoute pas automatiquement. J'étais obligé de le prendre fixe. On peut voir le truc. Ah, niveau 12, ça va. Merde. Merde. Enlève-moi tout ça. Voilà. Rouille-toi. Bouge. Putain, au moins on peut tirer quand on prend l'objet. Hein. Finish. Eh ben non. Qu'est-ce qu'il prend là, lui ? Putain. Il fait le Kamasutra là, c'est pas possible, il y a un problème. Il a pris tout le livre là. Oula, oula, waouh. Allez, c'est... Là, ça commence à être un peu compliqué. C'est bon, t'es cassé? Je peux le B? Ah non, il est mort. Adieu. J'ai rien compris dans le jeu, dès que t'as un bot qui meurt là, il est obligé d'exploser. Mais tu te calmes en fait, c'est... putain... Tu respires. Je sais pas... moi, quand j'ai pété ma voiture télécommandée, elle a pas explosé hein. Elle s'est juste pétée, elle marchait plus. Courez ! Eh bien non. Putain... Mais comment tu fais pour pas... Genre, ils ont vraiment appris la langue des humains. Je veux en venir pourquoi. Frérot, il a dit trois mots, et puis... Notre langue française, ça rajoute doucement en plus et on peut même pas les lire. C'est oh le jeu. Ah, bah ça c'est un plaisir vraiment. De faire une action bien inutile hein, de ce qui vient de se passer. Allez, hop là, on prend l'objet. Qu'est-ce que c'est du cuivre? J'en ai 12 000. Oula. Ça va? Tu vas bien? Nice. Bon, t'as vu, elle a des chaussettes blanches, j'en veux bien. Bon bah elle est morte, hein. C'est vachement dommage, RIP in peace, hein. Soit mortel, bah tiens. Attends, quoi? Alors, on va t'expliquer, c'est un nouveau concept, on fait des soins, mais du coup, ils marchent pas. Ah ok, je récupère des trucs sur des androïdes, mais eux, c'est pas des joueurs. Par contre, quand c'est des joueurs, c'est des trucs que je peux pas récupérer. Eh putain, tu m'étonnes que j'ai mal au crâne. Putain. Il est pire que Joseph ce gros fils de pute. J'ai utilisé la technique de Joestar. Le robot qui utilisait la technique de Joestar. Ce sera ça le titre de la vidéo, c'est sûr. Oula. Oula, gros camp d'autres. Gros camp de gitan robotique. C'est quoi tu sais qu'il y a d'android? Alors. Ah, c'est bon. Putain, on peut pas descendre d'un coup et au pire tu fais un dash à la fin, ça amortit la chute. Non, ok. Mais comment t'as pu. Neketsu, what is... Attends, c'est moi, il y a marqué The Bee, là. Bon,
au revoir. Du coup le mec est mort alors qu'il n'y a pas de monstre. Bon bah t'es un bon toi, ça c'est sûr ça. Oula oula. Ah je vois là où il aurait pu mourir. Mais c'est des dégâts obligatoires mon gros aussi. Mais... genre j'ai dash sur le côté, genre ça m'a arrêté d'un coup. Enfant, enfant. C'est glauque. Allez tire dessus, allez. Mon amour elle. Nique ta mère. Allez hop là. C'est moi ou ils essayent de baiser? C'est moi ou c'est robot copule? Ah ok, c'est eux qui sont... Calme-toi. Je regardais juste les deux robots qui ken là. C'est bon, j'ai le droit. Il y a vraiment des robots qui ken, bon bah... Je sais pas quel titre mettre. Je vais prendre le screen d'un moment là où je les vois baiser et je vais marquer deux robots sont en train de baiser dans ce jeu incroyable. Voilà, 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 calmez-vous. Ah, calmez-vous. Mon nez me gratte là, rien ne va. Ça va exploser. Ok, c'est bon. Ok, ok. Toi bien, toi bien. Faut juste taper dans le tas. Non, j'ai esquivé. Ok, ça va. J'ai eu un petit boost de santé. Oh, il y a des tout petits, des enfants. Oh là là, ils sont mignons. Ah mais attends, ils viennent de spawn là, c'est de l'arnaque. Ah. Ah merde. Attends. Me font stresser ces chacalitos. Ah oula. Mais non, mais t'attaques le tas de robots, pas juste un. Ah merde. Arrêtez. C'est anxiogène. Voilà. Ah c'est sûr. Mais calmez-vous. Bon déjà au moins il parle comme nous, c'est pratique. Oh non, tous les robots qui en forment un géant là. Oula. Oula. Alors déjà, il te manque un pénis. Ok, c'est un méchant. Niveau 1. What? Pourquoi il est niveau 1? Ah parce qu'il attaque pas, c'est ça. Mais le touche pas. Ah il prend des niveaux. Ok bah défonce-le alors. Ok, ils essayent tellement de faire les humains qu'ils ont réussi à... Parce que 2 points de niveau, et plus on bute, moins t'en prendras. Ça paraît logique, hein. J'ai fait une thèse. Ok, c'est pas à cause de nous, c'est pas à cause du temps qui reprend des niveaux. Je pense que ça doit être automatique à chaque phase. Tu sais, c'est pas parce que tu sais dire le mot que tu sais le faire, hein. Ça va. Ça va. Calme-toi. Putain mais il prend des levels salement lui. Il apprend vite. Quoi? Il est insane. Là j'ai esquivé tout ça. Putain le gars il vient mettre, il sait se battre. Ah il s'est téléporté, bah super hein, toujours des problèmes en... Oula. Je vais pas te mentir, visée auto. Non, aussi, Nitaz. La boue, la touche d'esquive et la touche de tir, elles sont juste à côté, genre vraiment... Quoi? Ah! Faudrait que je rachète des soins au cas où. Aussi ils ont tous des noms là avec des lettres aliens. Attends,
Avec les projectiles, je le touche jamais. Ah, c'est bon. Allez, aussi, je fous. Ultra dangereux. Ok, c'est bon. Ah. Ouais, faudrait que je m'en rachète parce que je vais plus en avoir là. Il est niveau 8. Il est où? Donne ma magie. Ça me stresse. Vraiment les aliens ultra chelous là. Calme. Je suis niveau 9 là. S'il augmente des niveaux encore plus, je suis mort. Hein. Le fait qu'il augmente de niveau ça des, au fur et à mesure là, c'est plutôt stylé. Hop là, ok. Ah, calme-toi. Il y a le niveau 10, je pense que ça sera son max. Et là, à la fin, il vient de niveau 99, je vais toucher. Ok, il est mort. Ah oui, bah. J'ai 12 coups de sabre, mais il y a que maintenant que ça lui fait mal. Putain, les tâches de sang tellement mal faites. Kono ma match kame. Bah, tu vois bien que non. Ah! La force de Star Wars. Oula. Alors. Putain, mais tu le shit. Respire. Cours. Putain, il s'est cloné vite fait. Hein. Voilà. Calme-toi. Ok, 160 FPS, ça veut dire qu'on joue là. Casse-toi! Attends, il y a du loot. Ah, on prend. C'est bon, t'as pris le loot? Ça va. On court! Putain, j'ai pris 12 000 francs. Ah. C'est bizarre parce que les trucs ils chutent pile quand on est dessus. Pourquoi je prends un XP là très vite? Un an de vie peut-être. Je vais y mourir à l'instant. Nigelun Dayo! Là, tu cours et tu te casses! Par 5. Succès garanti. C'est un garçon! Ah, parce qu'il vient de naître, c'est ça le lol. Ah, dans ce jeu, ils ont tous les cheveux blancs. Oh, c'est assez stylé, mais bon. Même les méchants, eh ben, putain, mon gars. Il y a une chute de sable, donc on va pas y aller. Entier là, quel bon gars. Allez, on a plus de piles, mais on monte quand même. Allez, vite. Grouille. Ah, faut pousser. Ah, ouais, le biceps tout bien. Et, putain, mon gars. Ça, j'ai jamais compris ça. Même Link, il arrive à pousser un truc comme ça, même sans brasser de force. Mais putain, ils sont forts. Hein. Après, peut-être que je fais plus de mobs que ça, hein, parce que. J'ai quand même un sous-level forcément. J'ai dit ça va, je vais prendre un gros coup ça. Ok, c'est bon, je fais les tranches. J'aurais dû... Putain, mais avec tous les petits robots de tout à l'heure, j'aurais dû prendre l'XP là. Non, prends ça. Voilà. Et après, tu viens aider les gens. Toujours. Ah, quel plaisir. Allez, maintenant, grouille. Cool. Ah. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais cool. Franchement, cool. Peut-être que tous les trucs de vitesse, déplacement et tout, je pourrais peut-être les compiler un jour pour avoir un truc qui marche. Mais je... Peut-être que c'est des pièces à rassembler comme en Xenoblade Chronicle 2. Ah, je ne l'ai pas vraiment aimé.
Et je ne jouerai plus jamais à un Xenoblade. C'est que j'étais plutôt hypé par un Xeno 2 quand c'est sorti. J'ai vu des gameplays, tout ça, ouais, ça a l'air cool. Et en fait, c'est juste chiant. Parce que on pourrait dire, Automata, bon, c'est du spam touche. Et Final Fantasy XV, pareil, tout. Pas du tout! Là, tu dois te barrer au bon moment, tu dois frapper les ennemis, les esquives. Là, c'est. Là déjà les persos attaquent automatiquement. Aucun fun. En plus ils attaquent lentement. Voilà. Alors c'est pas dingue. Là je sais pas, c'est toi qui gères les déplacements alors que dans le jeu les déplacements ils sont lents. Et les attaques, genre c'est tu les actives et ils arrivent après. Je suis en mode bah non, c'est pas le but d'une attaque spéciale. ここからの作戦行動について相談があるんで、さっきの先生メタルとの戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンス Allez. 2B9S両名への Ok, bon, on peut aller quelque part. Attends, mais les camps de la résistance, c'est des robots ou c'est des humains? C'est-à-dire qu'on voit. Je pensais que c'était des humains quand même, mais c'est-à-dire qu'on voit plus aucun humain depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il y a plus d'oxygène sur la Terre, bon ça m'étonnerait puisqu'il y a quand même beaucoup d'arbres. Ah oui parce que l'autre quand il a pété sa jambe elle était en métal mais bon je suis dit genre c'est un gars qui a une jambe bionique. Alors on est en 5000, genre il doit faire ça. Et aussi je me demande est-ce que là... Est-ce qu'ils peuvent quand même faire des robots compliqués et un système de téléportation et des robots méca de ouf. Pourquoi vous cherchez pas un autre endroit que la Terre? C'est pas... Alors je sais pas, vu la technologie que vous avez et que vous pouvez aller sur la Lune tranquillement, la Terre c'est comme une base sur Palladium, hein. Tu la perds, t'as le seum, tu perds tout ton stuff et après c'est bon. Donc... Mais non, on envoie des robots pour taper les aliens. Putain. Les frisbees que j'envoie mon gars. Incroyable. Alors... Cours plus vite. Non. Quel plaisir. Putain, mais pourquoi ils ont bloqué? Vous êtes trop con. Allez hop, on saute. Ah, très mauvaise idée. La technique des Zelda, on est là. Non, descend maintenant. Ne, Tubi. Sabakにいた機械生命体。見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。僕らアンドロイドは 想像したる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えても分からないことに時間を割くのだ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 。考えても分からないことに時間を
Je peux pas le changer. C'est bon? Voilà. Alors, dignité vertueuse. Ça tape plus fort que mon épée? Bah non, tu vois bien que c'est nul. Je sais pas, ça tape moins fort. C'est pas ouf. On peut pas. Putain, on peut pas XP nos points nus, fais chier. Bah non, je la prends pas. Tasse. Hop là, voilà. Faut aller où? Non. Ok, là y'a un chemin. Y'a pas de chemin, quel plaisir. Y'a un chemin là. Un chemin. Ah, du coup, y'a un chemin là. Je vais où, mais putain de Horace? Je vais pas retourner dans le sol quoi. Putain, j'étais content de sortir. C'est beau quand même. Bon bah. Bon bah. Bah go hein. Toi bien. Mais putain. Oh. Non? Si tu veux. Ah! Ah! Attention! Je ne l'avais pas vu. Allez. Tu lui montes. Allez. Ah, c'est vachement joli. Ça change de ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Waouh, c'est beau. Putain, l'image de vos humains, mais il y a que des japonais qui ont survécu. Parce que déjà, vous parlez tous en japonais. Même les robots. Mais qu'est-ce que... Mais quoi? Il y a des robots qui nous plagient? Il y a des robots en skin de clown, mais... Oh là. Ah, j'ai mal au crâne. Parc d'attraction. Ah, mais c'est quelqu'un qui avait dit qu'il avait chopé l'engrenage au parc d'attraction. Ah, je sors du désert... Mais non. C'est plus flippant qu'autre chose hein. Calme-toi. Mais putain encore la même avec sa voix là. Putain mais. Mais pourquoi vous faites ça? Surtout que eux c'est des robots, ils sont des aliens derrière ça. Alors c'est les humains, ils sont sur la lune, ils amènent leur robot, les aliens aussi ils ramènent leur robot. Ça peut pas être eux les aliens, ils vivent pas les robots. Ils vivent pas les robots, genre ils frappent. Attends, il y a un spé là. Ah non, c'est du gold, pardon. Ah mais c'est pour ça qu'ils s'appellent parfois automatiquement. Oula. Allez hop, là, tu t'es pas. Niveau 10, ouais, quel plaisir. Pourquoi ils font rien? Allez, encore un mort. Ok, 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 cool. Ah, vous vous tapez. Petit frère mécanique, pourquoi il tapait pas? Ouais, bon, je vais pas l'écouter, hein. Je vois pas l'utilité. Ah, j'aurais pu le terminer. Ok. Je suis perturbé. Hop là. Non. Ah, là c'est pas cool. Tout va bien. Ouais. Qu'est-ce que ça, ça peut prendre énorme. Je vais pas retourner quand je cheat. Je l'ai même pas vu cet endroit de la game.
enfin c'est grand. Ah non, lui aussi il fait rien. Alors, vous êtes gentil. Super mécanique. Ensemble, ensemble, putain, c'est scandaleux. Ils veulent faire comme nous, c'est. Bah non, du coup, c'est. Mais t'as vu la caisse qu'elle a portée tout à l'heure? Bien sûr que si, tu peux passer par là. Et donc, je fais quoi? Je sais. Moyen de contourner les lières, si tu veux, peut-être. Allez, escalade, hop là. Eh ben. J'essaie de réfléchir. Putain, mais frérot, mais vous avez des jets et tout, vous pouvez pas passer par-dessus la barrière ou la péter, ou je sais pas, la scier avec vos épées géantes, peut-être, je sais pas. Non. Ah, là. Ah, oh, bah tiens, c'est bizarrement ouvert ici. Lui, il est méchant. Magasin. Parlez pas fort. Ah, mais frérot, tu me donnes des trucs que je ramasse par terre que je sais même pas quoi en faire moi-même. Pardon. Y'a rien ici, mais t'es pas utile. Putain, mais pourquoi il y en a, ils sont gentils. Voilà, c'est chelou. Lui il coupe quoi. Il va aller dans. Au revoir. Wow. Les attractions humaines. Sinon de la résistance. Ah, il y a des gentils là-bas. Putain, mais vous polluez avec vos feux d'artifice là. Après eux ils ont pas besoin de respirer donc ça va. Putain. Bon. Voilà. Allez, prends ça. Cristal, ok, pas utile. Alors. Donc faut que je passe derrière la barrière, non? Je peux sauter quand même par-dessus cette putain de barrière. Genre de là, je saute quand même, non? Putain, mur invisible, je déteste ça. Donc. Et va sur la caisse. Eh, on peut pas, quel plaisir. Oui, c'était accident. Ah, mais je retournerai pas ici, donc. Donne-le-moi maintenant, au moins c'est fait, tu vois. On peut pas sauter. Non, bah, je vais me faire foutre. Hein. Mais on peut pas passer, bah, putain. Il y a mon gars et. Oh. Le DAC. Non, pas le DAC, putain, c'est juste une machine. La topographie. Attends. Alors, pourquoi je mets pas de la carte? Je suis con, moi aussi, c'est. Je peux rien faire là. Je peux peut-être. Non, il y a un mur invisible. Je suis très troublé. Ah, attends. Pas que là il y a un passage et pourquoi il y en a. Ah non, c'est pas. Pff, mal au crâne. Peut-être buter lui. Ah, c'est plus rapide. Bah, j'imagine que je vais niquer mes morts alors. C'est insane, y a rien. Genre, y'a rien. T'es en pause. T'es un robot. C'est... Sauf le manque de piles, t'auras pas trop de problèmes. Oui. Putain. Quoi? Ah. Vous êtes pas utile. Et comment je fais? J'ai loupé un truc. On supporte là à chanter, la vision se casse. Ah, peut-être en montant. Je sais pas. Putain, la vue de côté là, ça me perturbe d'un coup. Waouh. Alors. T'es pas utile. Putain, ça ne me
mène à rien. Ça ne mène à rien, rien, rien. Putain, je suis coincé. Ah, ah, mais non, là c'est le mec qui est en pause. Y'a rien à monter là, non. Là, y a, là on y était. Attends. Non, ok. Ouais, non, attends. Peut-être les messages vont nous aider, ça m'étonnerait. Pour les entrées. Jupiterienne. Hein? R&D, quoi? R&D. De toute façon que j'ai le concurrent dans la balle. Non, ils nous ont pas aidé. Attends, il y a peut-être un chemin là-bas. Mais c'est insane! Putain. Ah. Quoi là? T'as fait quoi là? Je crois elle a fait 4 roulades d'un coup là, c'est oh. Hello toi. C'était vachement utile. Bah non là je peux rien faire là. Regarde là je peux même pas passer là, c'est. Mais pourquoi? Dis-nous Cyprien, pourquoi fais-tu ça? Je suis fatigué. Putain, mais d'ailleurs, j'y suis monté, il y avait rien qui s'est passé. Non, putain. Ça va, hop là. Ok. Ok. Et là, poum. Non, on va pas continuer. Et là, on passe en 3D, c'est parfait. J'adore la 3D. Les dangers, mais tu t'en fous, tu n'es. Oh. Ah, son pau! Ah, bah ça fait pas de dégâts. Attends. Pour l'instant, il a pas l'air d'attaquer. Parce que peut-être que c'est un char de parc. Ah ok, bon, ouais. Ce char de parc attaque. Il y a des trucs derrière. Ah, ah oui, c'est pas ouf le char. Hein. Alors, allez, je vais faire un truc dangereux là. Allez. Non, tu attaques. Ah, merde. Ah, c'est pas. Bah là, il s'est plus. Ça va, je vais esquiver. Allez, t'as pété. 4-5-4-X-1. Tais-toi, prends-le. Les robots ultra intelligents, ultra performants en combat sont teubés. Une cellule végétale. Une cellule végétale, bah c'est une cellule venant d'un végétal. D'ailleurs, tu vois, c'est comme quand ils font dans les pubs pour enfants là, c'est toutes les briques qui constituent ton corps. Voilà, bah c'est ça. Bien, ouais, je te. Ça fait la meuf, hein, mais ça sait même pas ce que c'est une cellule. Donc, ah, on va faire le train, le train. Ah, dis-moi qu'il y a un train rouillé dégueulasse, non? Ah, ah si. Allez, on va attendre. Ok, on monte dessus. Dispositif de à propulser les mains sur des rails très grande vitesse à des fins ludiques. Montagne russe. Eh oui, elles sont capées à. Ils s'en battent les couilles. Ah, ok, super.
Ah, il veut qu'on l'appelle par son surnom. Et là, elle va dire non. Là, c'est gênant leur dialogue. Là, mais aussi, elle est. C'est des robots quand même. Oh, deux cartes. Comme sur des rails à la con, il y a des robots clowns qui attaquent. Oula, oula. Feu d'artifice. Oula, c'est bon. Alors, rapport anatomique, on s'en bat les couilles. Bah super. En fait, c'est juste des trucs pour soigner et obtenir les objets qu'on peut viser. Oula, là, il y a PS. Allez, 9, tu es juste 9. Oh non, ils vont faire un théâtre bizarre là. Après, ça va, c'est des androïdes donc ça va les couilles. Il y a quand même la petite tête de robot au milieu. Petite tête d'androïde. Enfin, pas d'androïde, mais de robot chelou. Alors, son nom c'est demi-cercle triangle K. 3 quarts de X, demi X. Bref, c'est chelou. Ok, bon, c'est tellement sick qu'avec la visée auto, je vais le toucher entièrement. Tiens, attends, j'avais pas la touche d'esquive en main. Oula, oula, oula. Ah, super. Super, franchement. Elles vont plus vite que moi, mais c'est insane. Il faut aucun dégât, c'est bon. Il y a la scie. Je fais quoi? Je me sens faire quoi? Il y a des trucs qui sont ultra simples dans le jeu, mais là, c'est. Je sais pas ce que je dois faire. Super, c'est dans un... Ah, bien. Wow, calme. Qu'est-ce que tu fous, Tuki? Qu'est-ce que tu fous? Regarde le boss, regarde le boss. Je peux rien faire avec la caméra. Super, hein. Allez, le jeu, je veux voir. Non, je vais jouer comme ça, mais ça fait chier. Rom, mama, 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 mama. Ah, c'est bon. Oh, la scie, ça sent la scie. La masse vie, c'est un stock le truc, c'est un tank. Allez, hop, tu débats. Au con, tu as un truc. On peut pas l'attaquer, super. Oh lieu. Le piratage. Hein? Ah, ok, on peut tirer avec la même touche que. Oh là. Oh non. Piratage terminé. Ok, ils ont essayé de nous. Bah, cool ça. Tobi. Putain, c'est scandaleux l'androïde pendu là. Ça aurait été tellement. Ça aurait été vraiment plus horrible que ce soit. Les Rays, c'est des androïdes, hein, c'est pas si grave. Oh putain, on est contre des Jésus-Christ là, oh putain. Dans cet épisode, y'a rien qui va, y'a Jésus-Christ, y'a toute la team. Ah.
C'est bah il faut pas beaucoup de PV hein. Ah là là. Ça aurait fait peur si c'était des humains. Je me demande si on verra des humains dans le jeu, j'espère. Ok. Là ça va être long. Ça va être juste long là. Ah ok. Je peux plus vraiment gérer ma cam. Un plaisir. Oula, oula, oula. Voilà. Vraiment chelou le pire. Je sens c'est vers quoi aussi. Oh oui, j'ai 10 secondes à chaque fois. Je vois rien en fait. Je vois rien. Et s'il me pirate, ça fait quoi? Je vais commencer à attaquer mes amis, c'est ça? Putain, c'est... Ça va. Ok, tout va bien, tout va bien. Je peux sauter au moins, oui, je peux. Tourne la cam! Putain, en fait, là, c'est juste la cam qui va me tuer. Si j'avais une cam normale, là, il n'y aurait aucun problème. Un Jésus-Christ mort. Là. Allez. Ah bah là elle se dézoome un peu. Je les avais tous bien amochés. Ah, on va pirater les... Allez, on attend que tu sois utile, Nines. Franchement c'est raté. Alors on peut encore taper les trucs en haut. Ouais, c'est pas utile mais ouais on peut. Ouais, je me dis qu'à la fin ils spawneront. Ils ont quand même une sale gueule les cadavres dans le bruit. Oula. Oula, nous on est chelou parce qu'on a des montagnes. Super le racisme. Ça va, super. Dès que je dis que ça va, je meurs. C'est oh. Ah, 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 oh. Ça va? T'as pas le seum? Elle s'est fait piquer fire. Ah, ça c'est dangereux ça. Ça c'est très dangereux ça. Merde, j'ai plus qu'un seul soin. Ah, Véro. Ah non, c'est les légers. Okay, on la marave, on marave. Ils ont l'imagination, hein, les aliens. Hein. Quel est le but de prendre la terre si c'est juste pour y installer des robots et pas s'installer le seul. Mais aussi, il y a des robots qui s'amusent. Donc... Je vois pas le. Calme. Je suis sûr qu'il y a un achèvement si on peut tous les Jésus-Christ. Oula, shit. Tous les trucs, ça le ventileg, ok, il y a que ça, c'est nul. Ah, j'en ai toujours pas trop d'utilité. Peut-être on va m'en demander plus tard comme petits engrenages et je vais être content. En tout cas, au début de l'épisode, c'était joli dans le désert, mais avec le bar d'attraction, c'était très chelou. Calme. Bah, je suis mort. Un androïde sensible a entendu des cris d'androïde. Putain.
Ok, on peut modifier le message. Oh, je ferai plus tard. Mais je pensais que j'allais écrire, tu vois. Moi, j'allais juste marquer, je suis mort. Tiens, parce que son cadavre est sur le champ de bataille, il est représenté. Il contient différentes données. Oh, mais là, je vais recommencer depuis quand? Ah oui, putain, je croyais pas de sauvegarde automatique. Il n'y a pas de sauvegarde automatique. Putain, mais le pire, c'est que dans le jeu, il y a juste. Ah non, ça va. Ah non, ok, il y a que la moitié. On arrive à la moitié de la phase du boss. Il est où mon cadavre? Ah, il est là. Salut! Ouais, putain, la gueule. Oula. Ah oui, on a tout. Ah, c'est vrai que je peux les tuer avec mes tranchants. Ça va, je peux le faire avec vous. Franchement, là, l'épisode va commencer à très long. Putain, il est déjà 16h48. Je pense que là, on va arriver à du bon 1 heure d'épisode, malheureusement. Ça va faire très long. Mais... je pense que j'arriverai à tuer le boss. J'essaie de me repérer avec la carte. Sinon j'arrive pas vraiment où sont les ennemis. Ok, voilà. Calmez-vous, calmez-vous. Elle a la moitié de sa vie, bon elle a encore sa robe, ça fait chier mais bon, comme on peut. Je vais aller l'attaquer. Oula, non. Non, casse-toi. Bon, c'est comme dans Smash Bros. Si tu spammes les roulades à la fin, si tu prends du temps. Là, je fais quoi là? Je vais attaquer. Ah, crame, fais gaffe, crame. Roule un peu là. Elle va se transformer en araignée là. Ok, c'est bon, là on l'a bourré dans la parade. Ok, c'est bon. Mais du coup, on récupère le cadavre des gens. Pourtant, leur plus, j'arrive pas à les activer. Voilà. Casse-toi. Ça va, on l'a défoncé par bordel. Là, on l'a éclaté. Arrête de chialer. Yes, fonce. Ah oui, c'est vrai, putain, on a un laser. Je suis un attardé. C'est bon, il a dit poto. Ou un pod en japonais. Bon, allez, on va essayer de trouver un point sauvegarde. Alors. Bon, bah, du coup, c'était pas utile, non. Enfin, j'imagine qu'il y a les robots à côté. T'as piraté quoi en fait? Bon, au moins elle était sympa. Alors, on peut pas récupérer. On peut pas prendre le stuff. Bah, ça sert à quoi d'être venu ici en fait? Oh yes! Les soins, on prend ça. Attaque! Je sais pas ce que c'est. Alors j'ai des trucs, genre tu. Je sais pas. Ouais, bah non, dégage. Alors. Attaque. Ah, voilà, c'est tout comme ça là. 17. Ouh. Ça rentre même pas. Eh, putain, mon gars. Bah, si, mais je dois enlever des cellules système. Bah, c'est pas le but. Putain, mais le pire, c'est que. Attends, lacération. Attaque arme 3. Bah, ça aurait été bien, mais bon. Ah non, c'est lacération 2. Hein? Ouais, non. Je suis sûr, mec, c'est sûr pour les speedruns. Genre, ils laissent juste la toute première, la système pour pouvoir jouer, parce que sinon c'est game over. Et ils enlèvent tout le reste. Juste pour taper plus fort, c'est sûr, mec.
なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が機械生命体に意識なんかない。そう言ってないよ。ないです。そうですね。 Sachant que c'est faux, parce que. Enfin, c'est pas. C'est faux, je ne sais pas. Parce que. Si t'arrives à faire des machines tellement complexes qu'elles reproduisent exactement ce que tu aurais fait dans n'importe quelle situation, est-ce qu'elles peuvent avoir des émotions et est-ce que ça représente toi qu'est-ce que c'est passionnant la vie, toi. Genre, les questions sur la voix, c'est compliqué. Donc, Toby, vu comment t'étais teubé avec la cellule végétale, genre, tu te tais, c'est tout. Du coup, c'est flippant. Bon bah on va le suivre. S'il y a une machine, j'y vais. Ouais. Y a pas une machine à sauvegarde là? Putain, j'aime pas cet endroit, ça me stresse. Le parc d'attractions sans personne là, putain. Putain, en plus ça a bien tenu par rapport aux immeubles. Hein. Enfin, peut-être qu'ils ont reconstruit. Allez, vite. Après, ah, c'est peut-être... Ah, ils l'ont peut-être piraté. Les gentils, c'est peut-être nous qui l'avons piraté pour qu'ils soient sympas les... Sûrement sans bête, c'est ce que je te... Bon, c'est bon, c'est le 12e gros plan là. Quoi? Oh, tu vois, Oh. Mais fais gaffe! Bah, je voulais voir ce qu'il y avait écrit, ça avait l'air très important. Et bah, du coup, non. Bon, bah, vous l'aurez vu. J'étais concentré sur mon plateforming. Au plaisir de vous revoir. Ok. Ouais, ils les ont perdus. Ah, ça j'aime bien, les petits villages dans la forêt en 12 FPS. Voilà, ville machine. Ah, c'est mignon. Du tout, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un extraterrestre pour faire des trucs aussi mal, mal faits que ces trucs? Avant de commencer, il faut que vous compreniez bien. Nous ne sommes pas vos ennemis. Je comprends que vous me considérez comme vos amis, mais. Quoi qu'il en soit, je m'appelle Pascal, je suis le chef de ce visage, du village. J'espère que vous êtes une existence possible. Il suffit de regarder autour de vous pour vous rendre. Je comprends pas pourquoi, parce que bah, t'es un robot. Oh non, c'est flippant là, avec les gosses qui chantent. Oh là. Vous savez que nous entraînons déjà un semblant de relation avec les androïdes. En l'occurrence, nous espérons que vous pourrez remettre ceci à Anemone au plan de résistance. Qu'est-ce que c'est? Un petit fil de carburant qui nous a demandé. Un filtre. J'espère l'assurer, ainsi que nos intentions sont complètement pacifiques. Ça marche. Pourquoi tu veux avoir une vie paisible alors que t'es un robot? Parce que peut-être qu'il ressent des sentiments. Ah! Point de sauvegarde. Et bon. Mais bon, bah, du coup, avec cette petite musique chelou. Je vous laisse, c'est l'épisode 2, je pense, là je vais me motiver, je vais tout publier les épisodes, enfin pour la semaine quoi, je programme. Et donc voilà, c'était sympa, n'hésitez pas à venir sur le Twitch, parce que bah, c'est là où je joue en principal. Et c'était au Chrome, au revoir, au revoir à tout le monde.